Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on the stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! You totally defended stepstalker. Fuck everybody. Chloe! Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Oh my God, what is happening now? Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first! You know the rules, Dad! Max, tell him! Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well... I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. So, how many eggs? Don't you dare question the show. Toujours des photos, les gars. Même à 13 piges. Par contre, attendez, on va regarder un petit peu le... On va regarder un petit peu les... Voilà, les gars. Like you're the real cook here. I am when your mom is away. Bon, vous voyez les gars, on est revenu dans le temps 5 ans plus tôt, hein. You can see the bond between Chloe and her father and the love. Now this is a photo. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Ouais, c'était là, par contre. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. Il y a quoi sur la note? Joyce loves William so much. Bonne chance, mon chou. On est tellement fiers de toi pour la promotion. 2 semaines de gaufres à trouver. C'est domicile avec pour toi ta petite femme qui t'aime. Magazine. Man, I remember Chloe reading this. Teen Life. Oh, c'est Twin Life. Les jumeaux, du coup. Je sais pas, ça serait... Non. Twin, c'est avec un I, je crois que c'est pas deux E. Hein. Ouais, c'est avec un I, hein, les jumeaux. La fièvre du Rollers, les filles gameuses, le pouc, c'est chic dubstep. Ouais. Bon, on va pas au téléphone. I am when your mom is away. I'll let her know that.
Ah ouais, on peut pas aller trop loin en fait. Whoa. It's all blurry here. Ah ouais. I can't step out of the photographic On bounds. peut pas aller trop, on peut pas aller par là parce que c'est pas le cadre de la photo. Ah ouais, ok. J'imagine c'est moi qui réponds. Nope, c'est Wham. Foutoir. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Littéralement marqué foutoir, ça me fume. I am when your mom is Encore un magazine. Chloe was so into me. Bah And là, I il a told même her. après, hein. Let her know that. That's a cool snow dough. Ah, un petit dessin sur la cheminée. Comme ça, on va voir 5 ans plus tard s'il est encore là. Attendez, on va remonter bien dans le temps. Comme ça, on va voir si jamais un petit papillon. Ça, 5 ans plus tard, on le retrouve. Bah, c'est que Max sera passé par là. La photo a bien été faite. Yes. Yes. Réponds pas au phone tout de suite, vieux fou. Tant que je fouille la baraque avant. Ouais. Italie, Venise, Florida, Los Angeles, Hawaï. Ouais. Ouais, DVD. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. On a bientôt fini de fouiller, je pense, là, non? Portrait de famille. My family never took fun, goofy photos like Ils ont pas les mêmes gueules, par contre, hein, mais tu étais plus jeune, tu vas me dire. C'est nous qui avons fait ce dessin ou... Back to the lighthouse. Merci pour la sortie au phare. Ok. Je me fais pousser Chloe. comme de rien. Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come Ouais, back. mais non. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast you are upon. Ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. In your college fund. C'est pour sport Harvard, ouais, bah frère. Et pourtant j'ai rien touché, hein. Peut-être sans le savoir. Ah. Savoir qu'elles étaient là, ces putains de clés aussi. Score. Je les garde sur moi, de toute façon, il pourra pas, il va pas me les chourer. Non, on va les vraiment les balancer dehors. Seul moi je sens qu'il n'y a pas de merde. Là dehors, mon frère. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Thank you.
such a pullback, I knew you'd pick up without me. I'm not paying $150 for a concert. I heard that the Vortex Club parties are wild. Dude, the service fee is like 50%. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know. Sorry, Mad is Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the Vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Et ouais, ça se finit là-dessus, les gars. Très
ouais. Je vais pas faire le mec surpris, parce que bon, forcément, vous savez, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait le jeu une fois de mon côté, hein, c'était à sa sortie en 2015, donc bon, ça fait quand même un moment, hein, ça fait quasiment 6 ans. Mais bon, hein, il y a quand même des choses, hein, tu as beau dire ce que tu veux, il y a des trucs que t'oublies pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de séquences que j'ai oubliées, et surtout l'ordre dans lequel ça se déroule, mais il y a quand même des moments clés que t'oublies pas, et ça, je peux dire que je l'avais pas oublié, donc bon. Ouais, les gars, Chloé, on va dire que le temps s'est vengé, hein, c'est un peu l'effet, pour ceux qui connaissent un peu Flash, hein, j'ai un peu fait parler de la Flash, hein, quand j'ai parlé du temps qui s'est arrêté, mais ceux qui connaissent un petit peu Flash, hein, qui regardent la série, ou même qui connaissent les comics, ou qui connaissent un peu le personnage de Flash, de DC Comics, le super-héros, je parle, vous savez un peu quand il modifie des trucs dans le passé, ce qui porte dans le passé en allant ultra vite, bah des fois il y a plein de conséquences qui se passent et pas dans le bon sens. Vous voyez, le temps se venge de ce qu'il a changé. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Au lieu d'avoir son père qui est mort en accident de voiture, c'est Chloé qui est devenue paralysée. Voilà, les gars. J'en dirai pas plus, vous en verrez plus plus tard, mais ça c'est ça qui est ouf aussi, tu sais, c'est ce côté un peu du temps, l'effet papillon, hein, le jeu joue beaucoup sur l'effet papillon, à chaque fois que tu fais un choix, t'as des conséquences en mode effet papillon, c'est toujours ce truc là, et c'est en mode, tu te dis, mais comment le fait que Chloé soit en fauteuil fait que Max soit dans le Vortex Club, tu vois, et comment tous ces trucs là, parce que tu vois, c'est tous ces trucs là qui font que c'est... Enfin, c'est un délire un peu. C'est pareil le fait que... Bon, après, tu peux dire David peut-être un petit peu, parce que David, c'est un peu en attaque, parce que le fait que ce chauffeur de bus là, comme c'est peut-être grâce à Joyce, tout ça, qu'il arrive à monter dans la société et à aller plus à Blackwell, enfin, avoir un poste qui correspond plus à ses attributions, on va dire. Parce que bon, c'est quand même un vétéran, donc en tant que sécurité, c'est plus un poste qui lui colle à la peau qu'un chauffeur de bus, vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment qui conduisait les voitures dans l'armée, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça c'est peut-être un truc qui est un peu plus cohérent, dans le sens où comme il était avec Joyce, il a réussi à avoir une vie plus stable, un peu, et du coup à choper un poste qui lui va aller mieux. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est quand même cet effet là parce que dans le mode, comment la condition de Chloé, parce que vous voyez, quand Max était parti de Arcadia Bay 5 ans plus tôt, avant qu'elle revienne et qu'elle voit Chloé dans l'épisode 1, là, il avait aucun contact avec Chloé, tu vois. Donc c'est pour ça que tu te dis en quoi ça a impacté le fait qu'elle soit dans le Vortex Club. Pareil, Warren connaît pas Chloé, donc en quoi ça a impacté le fait que Warren sorte avec Stella et soit pas attiré par Max. Enfin, ça a changé complètement Max intrinsèquement. Vous voyez que même il y a des potes avec Victoria, c'est ouf. Nathan a l'air d'être un mec un peu plus stable. Enfin, vous voyez tous ces trucs là. Tu te dis, c'est pas parce que Chloé n'était pas en fauteuil roulant que ça se passait pas. Donc c'est vraiment le côté, en mode, j'ai changé un truc dans le passé. Et du coup, il y a plein de choses qui changent. Certes, forcément, le truc que t'as changé, il y a des conséquences à ça. En mode, le père de Chloé qui est encore là et elle qui est en fauteuil roulant. Mais il y a aussi plein d'autres trucs qui ont rien à voir avec Chloé et son père qui changent aussi. Tu vois, c'est ce côté-là. Ce côté, t'as changé quelque chose. Mais il y a plein de trucs qui ont changé entre deux. Et du coup, les mecs, j'en dirai pas plus, et on verra la suite au 4ème épisode. Je vous dire que le 4ème épisode, ça va envoyer aussi, hein, mais c'est vrai qu'on a déjà fait plus de la moitié, les gars, on a fait 3 épisodes sur 5. J'adore ce jeu, hein, j'adore à l'époque, je l'adore encore avec vous, hein, les gars. Parce que vous savez, quand j'avais fait la première fois le jeu, c'est comme quand j'avais fait Before the Storm, hein, je jouais de temps en temps, je faisais pas les épisodes d'une traite, enfin, je faisais pas un épisode d'une traite. Je jouais hein, de temps en temps une heure, après j'arrêtais un peu, je rejouais, enfin voilà, enfin, je faisais pas des grosses sessions de 3-4 heures qui tapaient tout l'épisode. Mais en vrai, cette session-là, c'est la session-là qu'on fait, j'aime bien tout ça. Non, je trouve que c'est cool, hein. J'aime bien un petit peu ce côté de faire d'une traite, dans le sens où, comme ça, t'es bien dans l'histoire de l'épisode, t'es bien ancré par l'épisode sur une après-midi, hein, ou sur un moment plus ou moins long. Ça, je trouve c'est cool, hein, les mecs, voilà. Puis donc, je kiffe le refaire avec vous. Donc, j'ai pas trop de trucs à dire sur la fin. Vous voyez que Max a le pouvoir de remonter dans le temps à partir d'une photo, ce qui est juste incroyable, en vrai, on va pas se mentir. Elle voit la photo et elle peut se revenir à l'époque de la photo. Bien sûr, c'est limité, vous avez vu, il y a un cadre autour de la photo. Il y a juste le cadre où on a pris de la photo, on peut pas aller plus loin. Mais moi, tu voyais, j'avais lancé les clés parce que je savais qu'il avait son petit beeper, là. Du coup, tu les mets dans si tu les planques dans la maison, ça va biper, il va aller savoir où elles sont. Alors que dehors, il y a moins de chance. Du coup, ouais. Ouais. Après, ce que je voulais dire d'autre. Du coup, on a plus d'avoir ses clés. Du coup, il est pas mort. Mais bon, Chloé. Le temps s'est vengé, comme j'ai dit, les gars. Après, on a vu qu'on était au Vortex Club. On a pris le bus. Hein, on a vu aussi les baleines. Les baleines qui continuent de s'échouer. Donc, encore des problèmes dans l'univers de Life is Strange. Hein, la neige, l'éclipse, les baleines qui s'échouent. C'est un bordel sans nom. Mais c'est ouf. Et encore une fois, l'immersion est incroyable. J'ai pas parlé. On va faire un peu le débrief de l'épisode après. Mais encore une fois, l'immersion est incroyable, vraiment incroyable. Genre
je veux dire, le côté vraiment musique, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'immersion, comment t'es immergé dans le jeu, l'ambiance, tout ça, c'est incroyable. Donc vous avez laissé l'argent, bon ça c'est comme la plupart des gens, on est honnête quand même. Vous avez embrassé Chloé, bon. Voilà. Vous avez pris parti pour David, ça c'est, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait en vrai, mais moi je l'ai fait parce que, comme j'ai dit, j'ai l'impression que David c'est plus un gars qui s'y prend mal, vous voyez ce que je veux dire? Ça existe, je sais pas si vous connaissez des gens comme ça un peu, qui ont des bonnes intentions mais qui s'y prennent mal. Et j'avais pas envie de casser le ménage et de casser la stabilité qu'il y avait dans la famille, une stabilité qui est déjà très fragile, et j'avais pas envie encore de continuer à casser ça, quoi. Donc vous avez pris parti pour David, ouais. Vous n'avez pas blessé, bon ça 95%, hein. Faut vraiment le faire exprès pour le blesser, surtout que t'as la conséquence directe hein, de le blesser. Donc non, je l'ai pas blessé forcément. Le pistolet de David, ça je pense que c'est pas le choix en mode, soit t'as rendu le pistolet ou tu l'as laissé, parce qu'en fait à mon avis c'est un choix qui se combine au choix de l'épisode 2. En mode si vous avez tiré sur Frank et que vous n'avez pas perdu le pistolet, bah forcément vous êtes dans la première partie. Mais si jamais vous avez récupéré le deuxième, Vous avez récupéré l'épisode, vous avez récupéré le flingue, je vais y arriver, on est en fin de vidéo, j'ai du mal, hein, 3h40 de vidéo, j'ai un peu de mal. Mais si jamais vous n'avez pas récupéré le flingue, enfin, si vous avez donné le flingue à Franck dans l'épisode 2 et que là vous l'avez récupéré, forcément vous êtes dans la première catégorie ici. Et si là, si vous l'avez donné à Franck et que vous l'avez laissé, ben, là, non, mais au moins Chloé a récupéré le flingue, je suis content parce que là-dessus, parce que je voulais que Chloé récupère, garde le flingue, tu vois, je voulais pas que, surtout pas que Franck l'ait. À la limite, c'est David qui l'a, bon. Mais si c'est Franck, c'est un peu... Voilà, mais David, pour ça, je pense, j'ai pris son parti, hein. On est rare, on est peu à l'avoir fait, mais moi, j'ai préféré le faire parce que, comme j'ai dit, j'ai pas envie de casser le ménage. J'ai pas envie, comme je te dis, comme je l'avais déjà dit de base, j'aurais peut-être pris le parti de Chloé, mais j'ai vu, en fait, à quel point ça allait loin, tu vois. Et je voulais pas que ça aille aussi loin pour David, parce que j'avais pas envie de casser sa vie non plus. Parce que déjà, à Blackwell, bon, voilà, hein, c'est déjà un peu compliqué. Mais surtout là, j'allais complètement lui casser sa vie, casser son délire, casser sa relation avec sa femme. Et j'avais pas envie de ça, quand même, j'ai pas envie qu'on aille aussi loin. Vraiment, parce que bon, vous voyez que, on n'a pas envie d'harceler les gens, parce que là, ça partait vraiment loin, quoi. Il était 3 contre 1, solo, seul au monde. Je pense qu'il l'a pas montré, mais ça lui a vraiment fait de la peine, je pense. Il était vraiment pas bien. Du coup, là, au moins, on l'a un peu, voilà, quoi. Et vous avez embrassé, ouais. Ouais, du coup, bah voilà. Bon, je suis content de prendre mes choix, ça, je vous l'ai dit, hein. Parce que clairement, c'est l'argent des handicapés, donc on touche pas, hein. C'est la base. C'est l'argent, qui va pour une bonne cause, donc clairement. Bah, même si c'est pas une bonne cause, vous voyez, mais bon. Après, c'était celui du proviseur qui, utilisait pour se bourrer la gueule, bon. Vous avez embrassé Chloé. Bon, là, clairement, les gars, on va faire une Max qui est en couple avec Chloé, les gars, pourquoi pas. Vous avez pris parti pour David, ça j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que je trouve que ça a été beaucoup trop loin. Moi je vous dis, si j'avais le choix de ne pas prendre parti, je n'aurais pas pris parti, parce que là ça allait beaucoup trop loin en fait. J'aurais été un peu le même rôle que Joyce, tu vois, un peu arbitre de la confrontation, c'est-à-dire calmer un peu le délire. Mais ouais, parce que même là en fait vous avez pris parti pour David, j'ai l'impression que ça c'est la dispute s'est soldée neutre en fait, vous voyez. Donc alors que si tu prends parti pour Chloé, ben c'est clairement David qui douille. Bon là, on va aller laisser le chien de Franck, hein, quand même, on n'est pas des enfoirés. Et Chloé, ça c'est important de récupérer le flingue quand même, hein, pour Chloé les et qu'on soit un peu en sécurité. Ensuite, Lisa est morte. Eh, ça, j'y peux rien. Moi les gars, je l'ai arrosé 2 fois. Moi je sais pas, je me dis, de base. Ce que je me suis dit, c'est en mode, ben, je l'ai arrosé le premier jour. Donc je vais l'arroser le deuxième aussi, tu sais, histoire de, ouais, je pense que j'aurais pu rajouter mon blaze en fait. Ouais, c'est là à mon avis, ça va être au mode te rattraper l'épisode 2 si t'avais pas réussi à te faire incruster par Courtenay, tu vas rajouter ton blaze là. Mais non, mais ça, je suis triste que Lisa soit morte parce que je l'ai lavé 2 fois en fait. Enfin, je l'ai arrosé le lundi et le mardi et apparemment, bah le mardi fallait pas. Et je sais pas, moi je sais pas comment ça marche les plantes. Il y en a, faut les arroser 1 fois sur 2. Il y en a tous les jours. Moi je savais pas les gars. Comment vous voulez que je sache que cette plante elle s'arrosait pas tous les jours? Je suis pas botaniste, hein. Vous avez aidé Warren pour son examen. Ah, right, bien sûr frérot. Vous étiez sur la liste du Vortex Club. Yes. Mais on n'a pas effacé de nom parce que c'était carrément pute. Donc vous n'avez pas changé la liste des invités du Vortex Club? Non. En vrai, si j'aurais pu rajouter des blazes, genre Warren et tout, je l'aurais fait, tu vois. Mais effacer des blazes, je suis pas. Non. Donc on est sur la liste, ouais. Je pense que là, comme j'ai dit, on avait l'occasion de se rajouter, mais on était dès le départ. On n'a pas changé la liste, hein, on n'est pas des bâtards. Vous avez effacé les messages des flics, yes, j'ai pas envie de clouer plus d'emmerde que ça. Vous avez aidé Alissa, comme d'hab, à la gossure, pour qu'on a prévenu la SDF. Voilà, la SDF, ça y est, on commence à être pote avec, donc on la prévient des merdes qui arrivent. J'ai pris une photo dans le passé, ouais, j'ai laissé un petit dessin pour qu'on puisse voir si la marque est toujours là 5 ans plus tard. Du coup, les gaga, let's go. Pour le prochainement, qu'est-ce qu'on verra dans l'épisode 4?
Là, il y a un flingue et tout. Darkroom. Ouh là là, ce que Rachel est dans la Darkroom. Ouh là, vous voyez l'épisode 4, les gars. Il y aura soirée, hein. Il y aura une petite soirée dans l'épisode 4, vous avez vu, hein. Ouais. Vous avez vu qu'on fera une petite soirée. Là, les gars, je pense que l'épisode, là, que vous voyez, il fait un peu soir. Bah, c'est quand on a été voir Chloé, hein, dans son fauteuil roulant. Donc, on reprendra l'épisode 4 mercredi soir, je crois. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Donc là, ce sera la prochaine fois, les mecs. Mais vous voyez qu'il y aura pas mal de choses, hein. Déjà, on aura tous les trucs avec Chloé. Parce que Chloé, maintenant, est en fauteuil roulant. Comment on va gérer ça, les gars? Ça va être tout un programme. Et aussi, on verra la fête. Qui s'appelle la fin du monde. La fête du Vortex Club, les gars. The End of the World. Ça a l'air d'être... Et puis, si j'ai vu Dana danser, hein, il y avait aussi une meuf qui était en maillot de bain. Ok, c'est à la piscine les gars, donc voilà, on verra ça le moment venu. Donc du coup là voilà les gars, donc c'est là-dessus qu'on va clôturer l'épisode 3 de Life is Strange. Donc on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, je trouvais que l'épisode était vachement cool, hein, parce qu'on a fait on a commencé en étant chez Blackwell de nuit, dans Blackwell de nuit, hein, on a été chez le proviseur, on a été se baigner aussi, on a dormi chez Chloé, on a fait tous nos trucs chez Chloé tranquillement. Et on est revenu, on a aussi été dans les dortoirs, on a été voir Dana, toute la clique. Et on a vu Victoria aussi se faire recaler comme jamais par Jefferson. Après, on était chez Chloé, hein, bon, on s'est réveillé tranquillement, on a pris le petit déj avec Joyce et tout, le tralala. Et derrière, on est parti faire nos petits trucs au Two Wells. On a même fait un sacré bordel dans le Two Wells avec Frank, Nathan et le flic. Et ensuite, les mecs, on est retourné dans le passé. Je dis ça comme ça, les gars, on est retourné dans le passé. Ouais, c'est normal, les mecs, on fait ça tous les jours, clairement. Bah ouais, les gars, je vois pas pourquoi vous êtes surpris, on fait ça tous les jours ici. Bah oui, les mecs, on est retourné dans le passé, et du coup, on a changé les choses. Bon, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, peut-être plus pour le pire que pour le meilleur, mais bon, on verra ça lors de l'épisode 4, les gars. Donc voilà, donc on verra comment Chloé s'adapte à sa vie de handicapé et comment la fête du Vortex Club va-t-elle se passer, comment notre enquête va-t-elle avancer. On a vu qu'il y aura un flingue dans l'épisode 4, oui, 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 hein. Du coup, voilà, les mecs. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est le cas, activer la cloche pour ne rien rater des prochains trucs qui sortiront. Allez, c'est un petit like si vous avez aimé, ça fait énormément plaisir. À dire dans les coms ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à partager aussi, finalement avancé. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 4 qui arrivera dans pas trop longtemps. Je pense que l'épisode 5 arrivera plus tard, mais l'épisode 4 ne sera dans pas très longtemps normalement. Je sais pas quand exactement, mais soyez abonnés et la cloche pour être au courant. Et normalement, les vidéos vont continuer aussi, hein. Il y aura peut-être d'autres vidéos, tout ça. Enfin, vous connaissez les gars, vous avez l'habitude sur la chaîne. Et merde, Lisa est morte, on n'a pas sauvé la plante, je suis triste. Bon, on l'a noyée, merde. Moi je pensais que c'était parce que j'allais oublier de l'arroser, bah non, on l'a noyée, on l'a trop arrosée justement, merde. Bon, la tristesse. Allez, bye la team. You moving slow, run down on niggas that die for my bro. Not fucking with niggas that's cracking the code. I'm still in the field, you know I'm a pro. Am I gonna blow? Then I get low. Back to the trap while I smoke out the O. I'm writing poetry, murder she wrote. No, I'm a hunter, I'm killing the ghost. I keep it close, ain't going broke. She tryna go cause we doing the most. I get the money and turn to a ghost. Niggas be flying, you won't even know. Come for my bread, then he getting toast. I had to grow.